you feel the buzz. Et re tout le monde, hey, salut tout le monde, c'est les Dark. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo très particulière, comme vous l'avez entendu, je suis la première, enfin la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, la première à domicile, donc le premier épisode. Je vais vous faire tous les matchs à domicile de Clermont, peut-être une surprise dans une semaine, je vous dis rien, mais une surprise peut-être en rapport avec le Clermont Foot. Donc là, en fait, bah, je vais vous montrer le match, juste que voilà, le stade est à guichet fermé, voilà, c'est jamais vu. Ah, Gabriel Montpied. Après c'est normal avec la Ligue 1, Clermont a gagné son premier match de 0, on était premier, mais là il y a eu les matchs de Paris, donc bon, on est plus premier, mais ça va pas tarder, on va récupérer cette première place, enfin je l'espère, avec une victoire aujourd'hui contre 3. Voilà les gars, je suis dans le stade, donc je vais un peu parler, mais je vais aussi laisser l'ambiance des fois, et je vais vous montrer aussi, avant la Ligue 1, il était là avec moi en Ligue 2, et vous voyez en jaune là, il y a quelqu'un qui s'assoit, à côté de lui, bah c'est lui en jaune là-bas, donc, voilà. Il y a une super ambiance, vraiment une super ambiance là. En fait, c'était pour l'entrée des gardiens. Et en fait, il y a eu vraiment de l'ambiance. Donc après, pour le match, ce sera encore mieux. Ça va vraiment être une belle ambiance. Et j'espère un beau match, une victoire. Donc, voilà. Là, bientôt l'échauffement des joueurs de Clermont et de Troyes. Remercier Clermont, Auvergne et Métropole, tous les élus, tous les salariés. Bon les gars, ça va bientôt commencer. Là, on va passer à l'entrée des joueurs dès maintenant. C'est parti. Premier match, guichet fermé dans cette configuration. On va se lancer le Rola qui va partir, la Kevin Giacomi qui va partir en Défense. Bon,
les gars, il y a peut-être la barre, là on sait pas ce qui se passe. Il sera peut-être accordé. Et il y a bien hors-jeu. Et ouais, je crois que c'est le centreur qui était dessous qui était hors-jeu. Mais voilà, voilà. Il faut continuer, là c'est que le début. Il y a Nsimba et Alivina, ils ont pris un coup tous les deux à la tête au même endroit. Pas par le même joueur, mais tous les deux. D'abord Nsimba, puis Alivina. Fraîcheur les gars, toujours 0-0, un but refusé pour hors-jeu contre Clermont. Il sort sur blessure les gars. Corner pour Clermont. Ah, c'est dommage. Bon, Yann Mendy, c'est l'entrant à la place d'Nsimba là, qui s'est senti blessé. Là ça joue en vrai, il y a des actions de part et d'autre, surtout du côté de Clermont. 3 c'était plutôt en début de match. Un jaune orangé d'ailleurs, donc peut-être pour ça, non, c'est... Et là, voilà, là, maintenant, on n'a pas le droit à l'erreur maintenant, il faut gagner. Il reste 10 minutes avant la mi-temps, il faudrait marquer avant la mi-temps, ce serait super après. Ça va être la mi-temps. Je sais pas s'il y aura du temps additionnel.
Enfin, en fait, parce que ça joue, mais après, je pense qu'il y en aura pour la blessure d'Nsimba déjà. Et peut-être le carton rouge, donc 2 minutes, 3 minutes max. Minute de temps additionnel, Ariane Mendy vient de se prendre un carton jaune, c'était une faute aérienne là, sur un duel à la tête, il a mis le coup de bras, c'est mérité à mon avis. Après les deux ils vont, mais voilà. Donc voilà, c'est un jaune pour Ariane Mendy, et là il y a un joueur de 3 blessés. C'est la mi-temps, donc pas pour l'entendre. Voilà, comme vous l'avez vu, un but hors jeu d'avoir Clermont, beaucoup d'occasions de Clermont. En début match, c'était plutôt 3, mais là maintenant c'est Clermont et un carton rouge contre 3. Et donc maintenant, Clermont va jouer à 11 contre 10, c'est ça. Bon, c'est un avantage, c'est sûr, mais il faut marquer. Et voilà, bah, j'espère vraiment qu'on va gagner, puisque à 10 contre 11, faut pas perdre des points maintenant. Là, j'ai appris que Lyon avait perdu 3-0 contre Angers, donc le prochain adversaire c'est Lyon. Donc voilà, bah, ça c'est marrant. Enfin, j'ai l'impression que les gros perdent là, comme Lille et Lyon pour l'instant. Donc voilà les gars. Là je vais aller voir la deuxième mi-temps. Et je vous filmerai comme d'habitude les plus belles actions. Il y a eu un corner très mal tiré pour 3, sinon rien d'autre. En fait, ça, j'ai vu clairement râler. Mais je sais pas pourquoi. Parce que en fait je venais juste de rentrer dans les tribunes parce que voilà il y a un peu de monde et tout. Et je sais pas pourquoi mais voilà. Ça joue en tout cas. On est à 11. Il n'y a pas de but. Toujours 0-0. Incroyable là, j'ai dit qu'il fallait qu'il se calme pour pas partir au mercato, mais il se calme pas le petit, non mais je rigolais bien sûr. Mais en fait voilà, là j'ai dit il avait loupé une grosse action en début de match, après on l'avait plus trop vu, mais voilà il suffit d'une fois, il est là pour se dévier ce ballon au-dessus du gardien. Ouais voilà, fallait être là, bien joué. Dans le visage x2, donc d'abord sur Dosu, puis après sur Samed, vraiment juste après. C'était pas le même genre, je sais même plus, c'était le même genre, mais en tout cas deux fois de suite, bon voilà, ça va mieux. Mais il n'y a pas eu de faute.
sur corner et j'ai cru que c'était direct pour Berthomier. Mais non, ça doit être détourné par Bayo. Troisième but de la saison en deux matchs pour Bayo, qui va peut-être passer meilleur buteur. Alibina la rate de très très peu et c'est dommage, j'aurais pu faire but et corner pour Clermont tiré par Elbassan Rachani. Rossou finit incroyablement bien la rencontre hein, parce que là dans ses dribbles tout passe en fait, tout passe. C'est peut-être 3 qui finit moins bien mais ça passe comme dans du beurre pour Rossou. Et on a tous les ballons là vraiment, 3 ils sont morts, ils n'en touchent plus une. Encore une grosse action pour Clermont, Zdaka qui déborde, qui centre, mais c'est parti en l'air et puis c'est capté par le gardien de 3. C'était bien tiré ça, dommage. Encore 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire et c'est des crampes pour le Troyen. Oh, oh c'était beau. C'était l'action parfaite et Bayo là. Ça arrive à tout grand joueur, tous les joueurs, quel attaquant n'a jamais tiré 3 mètres au-dessus. C'est d'où c'est l'Iglesias. Oh, il m'a fait trop rire. Tiens, là, il va peut-être siffler sur ce dégagement.